Jésus était monté sur lui parce qu'il était déjà détaché. Alors bien aimé, la Bible dit ceci: Jésus monté là-dessus, beaucoup de gens attendir les vêtements. La jupe de l'amba. Jésus monte dessus. Nathan ancien. Quand les gens s'habillaient, ils vont mettre d'autres vêtements. Maintenant, quand Jésus monte sur cet anneau, les gens commence bien aimé à enlever leurs habits. Ils jetaient et Jésus marchait dessus. Bien aimé dans le Seigneur, pour faire cet acte là il faut avoir la révélation de Jésus. Ce n'est pas le nom de ton costume, ce n'est pas ton super wax. Bien aimé, il faut avoir la révélation que Jésus est plus que ce que toi tu as. Il faut avoir cette révélation. J'enlève bien aimé. Il y a ceux qui enlevaient leurs habits. Mettez ça pour Jésus. Il faut avoir la révélation. On a dit Mazatomo Nayo. On a dit Jojo Amali Nayo. Car Jésus est plus que bien aimé ce que tu as apporté là-bas. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Mais aujourd'hui, casse les loyaux. Les adorateurs ont entamé il y a des gens qui foutent de Dieu. C'est ça qui m'étonne. C'est comme si ça, madame, j'habite donc qualifié combat. Bien aimé, choukama, tu peux t'acheter. Une fois qu'on a la révélation de Christ, bien aimé, ils ont enlevé leurs habits. C'était parfait. Tu es digne, c'est toi le Messie, c'est toi le Sauveur. J'enlève ça pour toi. Yotali chemise, sinon y a pembe. Yotali bouche, on a dit pas fou comme un robin. C'est comme si Yesu t'a fou comme si on a ma caste modératrice. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Il faut avoir cette révélation que celui qui va monter là-dessus, c'est un Messie. Je vous donne un exemple. La piste sonde à qui ça? Celui qui est président de la République, ceux qui m'ont conduit à la République à France, il entre ici. À Contia. Qu'est-ce que nous allons faire? Donc, tout le monde, tout le monde debout. Merci, pasteur. C'est ça qu'on vous demande. Mais si Christ entre ici, qu'est-ce que nous allons faire? Très bien, pasteur, c'est là-bas. Si le président de la République entre ici, Macron à Kotia, nous allons se mettre de ton côté. Parce qu'il est une autorité. Mais si Christ et Jésus entre ici, à Kotia, on ne va pas se mettre de côté. On va pas se gêner. Amen. Est-ce que vous avez compris ça? Amen. Parce que tu comprends ce qu'il est. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus Christ bien aimé. L'ombre n'a pas pour la Yesu. Lève ton ami. La boule n'a pas pour qu'il écoute moi, Kami. Akami, venez là-bas, la zombie de la bouquille. Et ton Dieu bien aimé. La zombie de la zombie, Mata Moukine. L'adoration. Ok, misprise des jours. L'adoration. Alléluia, peuple de Dieu. La Bible dit ceci, les gens levaient leurs habits. Et les autres bien-aimés dans le Seigneur, prenez bien-aimés. Parce que c'était le rameau. Comme madame n'a pas dit, dans la nation, on a dit, depuis hier, on a dit, 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 mais oui, les mandalas, c'est aujourd'hui. Alléluia, peuple de Dieu. Bien aimé, les gens vont couper la monnaie. Ils sont en couple. Alors, vous voulez là-bas. Alors, vous voulez à Liboso. Ils sont les alors, vous voulez à Mibale. Bon, vous êtes quand même là. Vous êtes quand même. Alors, qui l'indala là? À bois qui n'a c'est. Jette au sol. Bien aimé, branche-moi, il y a palmier. A une signification biblique, bien aimé. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Pourquoi ils n'ont pas pris d'homme? Le peuple de notre soir. Parce que Dieu sautait. Dans ce moment, quand
bien-aimé, kaka wana lindala la wana. Toujours, c'est d'abord, bon. Cela signifie quoi? C'est le signe de joie. C'est le signe de victoire. Et c'est le signe de plénitude. Amen. Est-ce que vous comprenez très bien? Amen. On peut acclamer Jésus. Yes. On peut acclamer Jésus de Nazareth. Alléluia. C'est le signe de joie. C'est le signe bien-aimé de victoire. Et pourquoi c'est le signe de joie, de victoire et de plénitude? Écoutez bien. Il y a un message prophétique. Et Jean a un message prophétique. Vous savez, Jésus-Christ, ministère de l'Indios, son ministère, il a passé ça en dehors de Jérusalem. Ici, c'était pour la première fois à cause de Jérusalem. Qu'il entre à Jérusalem. C'est pour ça qu'on appelle ça entrée triomphale. C'est pour ça qu'on appelle beaucoup de choses que je ne comprends pas. Mais ce sont les Jésus savait que dans 4-5 jours, il va mourir à Kokoufa. Mais il peut faire une entrée triomphale à Jérusalem. Mais dans sa tête, il savait que je vais mourir à Kokoufa. Vous savez, si on va aller au Kokoufa, si quelqu'un veut mourir, il y a des fois, des signes indicatifs. Je connais bien-aimé Moko Abakoufa. Je connais un frère avant de décéder. Il avait besoin de voir son bien-aimé dans le Seigneur. Rien à pour ça, on a le déconnaillé quand il a eu. Balouka, vous m'avez la garde de quoi Balouka et Babona n'a pas vu. On l'a pas vu. Après de quoi c'est le roule à vous. Et ce frère a fait semblant de mourir. Après, bien aimé, quelques temps, pour moi, il sur la tournée, est-ce que mon bien aimé, tu m'as dit, maman, il y a eu. T'as envoyé un pessier beauté. Il a salué. Après, quelques minutes, à qui je vous dis, vous verrez des signes. Vous allez voir des signes. La monnaie qui est place, vous je le vis que. Au moins, il se fait voir à tout le monde. C'est ça. Amen. Est-ce que vous comprenez très bien? Amen. Dans la terre, c'est l'au-delà. Dans l'autre terre, il colle un peu un mot comme vous soutenez. Parce qu'il y a un enseignement sur l'au-delà. Les gens m'ont lagué ici à ma camboule. Mais je ne suis pas là encore. Hein. Je parle. Si quelqu'un veut mourir, vous allez voir, il va se voir. Mais là, on est qui vous colle. Mais il va se faire voir. Il y a beaucoup de signes, on n'est pas là. Un jour, on parlera si l'au-delà. Donc, les gens ont été à ma camboule. Après la mort, après, il y a quoi? Il y a quoi? Il y a Koufa, ni de Moussala. Alors, bien aimé dans le Seigneur, Jésus savait que je vais mourir, hein, mais il fait une entrée triomphale. Aligo Kota Nankembo. À Kota triomphalement, bien aimé dans Jérusalem. Une entrée triomphalement, Jérusalem. Parce que bien aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, Jésus savait, il me reste quelques jours, je vais mourir, mais il y a quelque chose que Jésus n'a pas encore fait. Il faut accorder à Jérusalem. Entre à Jérusalem. Parce que selon prophétie, il devait être déclaré roi d'Israël. Parce qu'il n'était pas encore déclaré roi d'Israël. Alors bien aimé dans le Seigneur, la mission de Jésus sur la terre, c'était quoi? Quelle est la mission principale de Jésus? Quoi? Rachat, la mission principale de Christ, c'était quoi? Il était venu pour mourir sur la croix. Alléluia. On nous a dit dimanche passé, bien aimé, dans le ciel, Dieu a demandé qui peut aller? Nadi a bien aimé, bah, va t'aller pour nous amener. Kara, même pas là. Kara, que nos coups vont pas dire Kara. Kinya. Nana Koki a gagné beaucoup de femmes. On allait mourir. Personne. Montons mon côté. Même les anges disent moi, je ne peux pas. Je refuse. La mission principale du Seigneur, c'était de mourir à la croix. Jésus savait. Il me reste quelques jours. Je vais mourir. Alors, bien aimé dans le Seigneur, c'était le temps. Il y a fait déjà pour le Seigneur Jésus. Voilà, bien aimé, un jour. Écoutez l'église de Dieu. Jésus était invité dans une fête de mariage. Parce que dans la Bible, quand tu attends
les noces de l'agneau. C'était pour une fête de mariage. Alors bien aimé, les gens mangeaient. Les gens ont bu. Vous savez, dans une fête, vous pouvez manger. Il n'y a plus la joie. Est-ce que vous le savez très bien? Amen. Alors sa maman est venue. Marie Ayaki. Elle lui disait, ben, Ayaki peut être tant que maman, quoi. Il est venu tant que maman. Est-ce que tu ne vois pas que Elengi a fait que Sili? Il n'y a plus de la joie. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose? Tu peux faire quelque chose. Jésus l'a répondu. Femme, moi si mon temps, mon heure n'est pas encore arrivée. Quel temps que Jésus répondait à sa maman? Parce que c'est le temps de sa mort. Multiplication des pains. C'était pas l'heure de Jésus. Bien aimé, Christ a fait beaucoup de miracles. La résurrection de Jésus, de Lazare, c'était pas la fin. Ce n'était pas la fin. C'était pas le temps de Jésus. Le temps de Jésus, c'était le temps de sa mort. Car bien aimé, Jésus devait vaincre la mort. C'est pour cela la Bible dit, les guillons de la mort, lui seul a vécu la mort. Il est ressuscité. Voilà la Bible me dit, ceux qui mourent à Christ aussi ressusciteront. Bien aimé, le temps de Jésus n'était pas encore arrivé. Mais Jésus savait qu'il va mourir. Il est entré triomphalement pour que le monde sache que il y a un roi, il y a un seigneur. Il ne peut pas mourir comme ça. Bien aimé, si ton temps arrive, personne ne peut arrêter ton temps dans la vie. Je vous le dis, bien aimé. Même à Salé, ma réunion. Amen. Même à Télé, Melio. Amen. Ce que Dieu dit, ce que Dieu va faire. Alléluia, peuple de Dieu. Et l'heure était arrivée que Jésus entre à Jérusalem. Parce que dans quelques jours, Jésus va mourir sur la croix. Bien aimé, n'ayez pas peur dans ce monde. Nous avons un temps pour tout, bien aimé, dans le Seigneur. Nous avons un temps pour tout, bien aimé, dans le Seigneur. Et Jésus a dit, mon heure n'est pas encore arrivée. Comme il a noté. Alléluia. Amen. Alléluia, peuple. Amen. Alors, bien aimé, la Bible me dit ceci. Ce qui précédait et ce qui suivait Jésus criait. Hosanna. Hosanna. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Oh, na kombo na kolo. Waouh. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hosanna. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Na kombo ya Yahweh. Laisse-moi ouvrir une parenthèse. Toi, tu reçois les gens chez toi. Dans quel nom? Ici la Bible dit, quand Jésus entre les gens à Jérusalem, les gens crient, Hosanna, 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 béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Mais bien aimé, quand tu reçois les gens, c'est toi. Est-ce que bien aimé, tu les reçois au nom de qui? Il vient directement chez toi à la maison. Tu le présentes directement à la bière. Tu le présentes directement à manger. Il faut bien aimé recevoir les gens au nom du Seigneur. Ne recevez pas les gens comme ça chez toi à la maison. Jésus a été reçu bien aimé. En criant Hosanna, Hosanna. Mais c'est celui qui vient. Il est venu au nom de l'Éternel en Jérusalem. Et ceux qui viennent chez toi. Et ça ne va pas tous par rapport à toi. Ceux qui viennent chez toi. Soit la poste à Singapour. Qui l'a mis tout de l'argent. Il commence bien aimé dans le Seigneur. Abandi. Kotonga na lubandeko. Kokritike na lubandeko. Et puis la camo ça courageux, au petit mandat pour la yo, idée. Le rosa la posé à tomate, le rosa la posé à l'évité à quoi. Bien aimé, posé à l'orambe à la moko. Tu commences bien aimé dans le Seigneur. Tu commences au bandit. Bien aimé à critiquer peut-être ton
frère. Peut-être ta soeur vient de mettre dans le Seigneur. Et la souka d'ango. À la fin. Yo pose une bombe au pamboli. Non, il faut bénir les gens au nom du Seigneur. C'est lui qui vient avec bien les mains de telles choses dans chez toi la maison. Chassez-les. Ne l'acceptez pas. On dit maïté. Il ne faut pas ces gens-là les donner bien aimer la confiance. Et c'est lui qui fait ça quand on a confiance. Il vient chez toi la maison, bien aimé dans le Seigneur. Critiquez ton genre. Critiquez même l'église du Seigneur. Là où tu as pris. Tu le reçois et à la fin tu le bénis. On peut dire quelque chose. Ils sont là bien aimés. Critiquez les hommes de Dieu. Critiquez peut-être votre pasteur. Toi tu es là avec lui à la maison. Tu lui donnes confiance. Non, tu n'es pas quelqu'un de confiance. Amen. Ta confiance. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. La parole du Seigneur est claire. Béni soit les reines qui viennent. Les reines de David, notre père. Notre papa Nabiso. Hosanna. Hosanna. Dans les lieux très hauts. Bien aimé, tu les reçois au nom de qui? Hosanna, mon nom. Bien aimé, c'est lui qui parle les mains de ta sœur et de ton frère. Tu ne peux pas lui donner confiance. Fais ses confiances. C'est lui qui est là pour traiter ton pasteur. Confiance. Je n'ai pas dit bien aimé de les chasser. Non, il n'est pas quelqu'un de confiance. Confiance. Sinon, vous serez le Dieu bien aimé dans le même et bien aimé marmite. Oh, bien aimé dans le Seigneur. Recevez les gens au nom du Seigneur. C'est lui qui vient à toi. Doit apporter la bénédiction. Doit apporter le nom de Jésus. Seigneur, je suis venu chez toi. Je suis venu pour partager la parole de Dieu. Le Seigneur m'a envoyé chez toi. Pour partager cette parole. La gloire à Dieu. Mais lui vient seulement avec les problèmes des gens. Chassez-les. Il te dira. Je parlais seulement à toi. Il ne faut pas les dire. Il ne faut pas les demander. Si tu y as bien fait, pourquoi on va te cacher? De la même manière qu'il amène les problèmes des autres dans ta maison, il lui prend aussi tes soins, les problèmes de ta maison. Il va ramener ça quelque part. Un jour, il va faire comme ça. Mon frère, ce sont des sorciers, ces gens-là. Il ne faut pas les accepter. Tu prends ton téléphone. Tu commences à humilier ton frère. Humilier ta soeur. Les hommes de Dieu. Tu auras ta récompense. Tôt ou tard. La Bible me dit ceci. Jésus a été reçu bien aimé. Au nom de l'Éternel. Ils ont crié. Ils ont commencé à jeter bien aimé les bras. Ils ont commencé à jeter leurs bien aimés. Pour bien aimé recevoir Jésus. Alléluia, peuple de Dieu. Acclamons Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, acclamons Jésus. Ne donnez pas l'accès au diable. Nous sommes là au Kamakama, même à Kamaba, tout le monde, nous sommes là. Nous sommes là, 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 nous sommes là. Chassez-les. Ne soyez pas en contact avec toi. Amen. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Il ne faut pas avoir des divisions. Mais se séparer de lui. C'est un mauvais ami pour toi. Amen. Alléluia, peuple de Dieu. Qu'il vienne avec la bénédiction. C'est ça que la Bible nous dit. Alors bien aimé, plus loin la Bible me dit ceci. Dans le verset bien aimé 11. D'abord 10. Béni soit les reines qui viennent. Les reines de David, notre père. Hosanna dans le lieu très haut. Il y a beaucoup de choses ici, bien aimées dans le Seigneur, que nous devons exploiter. Béni soit les reines qui viennent. Ceux qui chantaient, bien aimés dans le Seigneur, reconnaît. Il y a bien aimé reine Oezakouya. Parce qu'à Israël, il connaissait bien aimé David comme un roi.
roi. Or Jésus, yes, est le descendant de David. Écoutez ce qu'ils disent. Béni soit le règne qui vient. Le règne de David. Bien aimé dans le Seigneur. C'est le royaume du Christ. Qui doit bien aimé s'établir sur la terre. Notre Père. Hosanna dans les lettres. Jésus entré à Jérusalem. Dans le temple. Bien aimé. L'entrée était triomphale. Parce que c'est son premier entrée en Jérusalem. Il a fait bien aimé presque son ministère en dehors de Jérusalem. Comme son premier entrée. Et dans 5 jours, Jésus va mourir. Avant couvrir, Jésus va marquer les coups. Et bien aimé dans le Seigneur. Dès qu'il s'entrait à Jérusalem, c'était pour la dernière fois. Parce que vendredi prochain, comme calendrier nous dit, bien-aimé, Jésus mourra vendredi prochain. Mais bien-aimé, malheur à celui qui va trahir Jésus. Attention, bien-aimé, à côté de toi, il y a des traîtres. Il y a des Judas Iscariotes. Ils sont là, bien-aimés. Vous savez, quand vous lisez la Bible dit ceci. Les souverains sacrificateurs. Souverains sacrificateurs. Cherchaient comment ils devaient arrêter Jésus. Mais ils n'arrivaient pas. Bien-aimés, ils étaient des autorités à l'époque. Mais ils n'arrivaient pas à arrêter Jésus. Mais c'est lui qui était avec Jésus. Lui-même, on lui a pas sollicité. C'est lui-même qui était parti solliciter les souverains sacrificateurs. Souverain sacrificateur. Vous cherchez les moyens, c'est facile. Je peux le faire. Professeur Aka, 30 ma. Donne-moi 30 pièces d'argent. Si Dieu fait grâce, nous allons développer ça en ligne cette semaine. Jusqu'à la mort du Seigneur vendredi. Et la résurrection dimanche prochain. Voilà bien aimé, nous allons fêter la Pâque. Qui est la résurrection du Seigneur. Alléluia. Amen. Il y a un temps pour pleurer. Mais il y a un temps pour se réjouir, bien aimé. Alléluia, bien aimé dans le Seigneur. Était de mourir à la croix. Et Jésus ne peut pas mourir sans pourtant entrer en Jérusalem. Parce que c'est là qu'il devait être bien aimé proclamé roi d'Israël. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont rejeté Messie. Quand ces gens-là criaient Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Mais bien aimé, les autorités qui disent qu'ils étaient là, ils disaient si on laisse comme ça, Jésus-Christ est là, va récupérer la population. Et il commence bien aimé maintenant à chercher de quelle manière il devait bien aimé dans le Seigneur arrêter Jésus. C'est pour cela, jusqu'à aujourd'hui, les Juifs attendent le Messie. Mais le Messie était déjà venu. Ils l'ont rejeté. Bien-aimé, le païen, nous l'avons reçu. Voilà la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient à son nom, il leur avait donné pouvoir de devenir l'enfant de Dieu. Jésus était déjà venu. Ils l'ont rejeté. Mais nous, nous l'avons accepté. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus, lorsqu'il reviendra, il reviendra pour l'Église. Nous qui l'ont accepté, Seigneur et Sauveur, il viendra nous chercher pendant l'enlèvement. Ceux qui l'ont rejeté, ils seront sauvés, mais à la fin. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Et tout ce que nous lisons ici, que Jésus entre à Jérusalem, les filles de Jérusalem, criez Hosanna, 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 criez béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Bien-aimé, c'était déjà prophétisé. Retournons 1000 ans après. Mosali, prenez Pissom. 1000 ans, bien-aimé, avant Pito. 1000 ans avant Pissom, 118.
118, mais 86, mais 6. 1000 ans avant, on avait déjà prophétisé. Psaume 118, 24 à 26. La Bible dit, voici le jour que l'Éternel a fait. Alléluia. Qu'il soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Voilà, Seigneur. Bien aimé, la Bible dit ceci. Psaume 118, 26 avec 24 à 26. Oui. Autant que 26, 24. T'as un 26. J'ai lu 26. Oui. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Alléluia. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. Amen. Amen. Bien-aimé, 1000 ans avant. 1000 ans avant. Bien-aimé, c'était déjà annoncé. L'entrée de Christ en Jérusalem. La Bible dit ceci. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Il bien aimé savait ce message, mais il ne connaissait pas qui est le Messie. Alors les jours de bien aimé de l'entrée triomphale de Jésus, le rabbin, bien aimé le lecteur des Écritures, ils ont dit voici c'est lui le Messie, que le prophète Zacharie avait prophétisé 500 ans. 500 enfants. Bien aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire quelque chose. Ce qui est écrit est écrit. Dans ta vie, bien aimé, il y a la prophétie, il y a le message qui est écrit. Bien aimé, ce qui est écrit, je vous le dis, est déjà écrit. Bien aimé, tu pourras dans le bango la croix. Donne la dit à la croix. Bien aimé, on a commis, J'ai écrit, je l'ai écrit. Comment est-il à l'homme qui a un roi et à ma juif? Il a commis le roi des juifs. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, Jésus entré triomphalement pour la dernière fois dans la ville de Jérusalem, triomphalement pour annoncer au monde le temps, l'heure est arrivée pour bien aimé accomplir sa mission de mourir pour l'humanité, pour nous donner le salut, la vie éternelle. Bien aimé, la semaine que nous allons commencer, c'est la semaine pascale. Et l'entrée de Jésus-Christ à Jérusalem ouvre bien aimé la semaine pascale jusqu'à sa mort et à sa résurrection. Dans ta vie bien aimé, il y a quelqu'un qui était mort. Il est vivant. Il est à la droite du Père. Il intercède pour toi. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il est en vie bien aimé dans le Seigneur. Soyez tu es sauvé. Si tu crois en Jésus-Christ, ton Seigneur est sauvé. Maintenant, nous devons peupler. Amen. Acclamons la parole du Seigneur. Acclamons la parole du Seigneur. Bien aimé, maintenant, nous devons peupler de Dieu. La Bible est. Nous prions ces moments et ta de grâce. Tu as dit dans ta parole, laisse souvenir notre Père de gloire de l'acte que tu as fait avant ta mort. Nous prions pour ce temps, c'est notre Dieu, et ce qu'on soit béni au nom de Jésus-Christ. Seigneur éternel, notre Dieu, ces jours-là, avant ta mort, tu as mangé la dernière nourriture avec tes disciples. Tu les as demandé de préparer un endroit où tu vas manger cette nourriture spirituelle. Seigneur, lorsque tu étais sur la table, tu les as donné une promesse. Faites ceci en mémoire de moi. Chaque fois que vous allez manger et boire mon sang, vous souvenez de ma mort et de ma résurrection sur la croix. Nous sommes devant toi, devant la table, pour obéir à ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus n'est qu'on a voulu.
ils sont ensemble de manger son corps et de boire de son sang. Élever la Sainte Seine, c'est biblique, c'est la Bible qui nous le demande. La Bible me dit, nous devons manger ça, bien-aimé. Et la Bible nous dit, ceux qui ont mangé les corps ont mis, bien-aimé, le sang de Jésus sans discerner. Beaucoup, bien-aimés, sont devenus des infirmes, de maladies incurables, et beaucoup sont morts. Bien-aimés, si à ceux qui ont mangé sans indignement sont morts, comment plus fort une raison, si tu manges, tu bois le sang de Jésus, bien-aimés, dignement, Seigneur, bien-aimés, à travers cette table peut apporter la guérison, la délivrance dans ta vie. Si tu as une maladie qui rentre, le Seigneur peut te guérir à travers cette table. Si tu as un problème, le Seigneur peut te guérir à travers cette table. Voilà, bien-aimés, nous voulons manger, prier pour ça. Si tu as un souci, demande au Seigneur, je vais te demander ta table, manger et boire ton sang. Je veux que quelque chose puisse entrer dans mon corps. Au nom de Jésus-Christ, je prie. Il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et des maladies et des grands
manger. Que ce corps du Christ soit une alliance solide avec le Seigneur. Que le sang de la nouvelle alliance nous protège toute notre vie. Que cette scène, elle me pousse provoquer une dimension spirituelle dans notre vie. Bien-aimé, prier que à travers cette scène, que tu vives le miracle dans ta vie, le miracle du Seigneur dans ta vie. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur éternel, nom de Dieu, nous allons veiller à ta parole, car la Bible dit, faites ceci en mémoire de moi. Nous avions fait ce que tu nous demandes, l'Éternel. Lorsque à travers, Seigneur, le corps et le sang de Jésus, Seigneur, que le miracle soit opérationné dans nos vies. Ceux qui ont des maladies incurables, Seigneur, qu'ils puissent vivre le miracle dans leur vie au nom de Jésus. Que ce corps que nous avons mangé, le corps du Christ, soit, Seigneur, pour nous, Seigneur, une alliance solide. Que le sang que nous avons mis, le sang de Jésus, soit pour nous une alliance nouvelle avec toi. Que nous soyons couvrés, protégés par ton sang de la nouvelle alliance. Merci pour la bénédiction, merci pour tout ce que tu as fait à travers ta table au nom de Jésus. Bien-aimés,